Je pense qu'au final, bah, ce goût pour la pâtisserie, pour les sucreries, la gourmandise, le crémeux, le fondant, le coulant, ça doit venir de ma grand-mère. Voilà. Parce qu'une recette évoque toujours quelque chose. Alors ma Madeleine, quand j'étais petite, en fait, ma grand-mère, à Noël surtout, faisait un gâteau. Le turinois, qui est vraiment un gâteau avec du chocolat fondu, de la purée de marron. Et c'est un gâteau qui n'est pas cuit. Donc c'est ça la subtilité, chocolat, marron, marron glacé parfois en déco. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment gardé et que même Manon, mon frère, adore et demande à ma mère de lui faire. Donc ça, c'est vraiment notre gâteau souvenir familial qu'on mange à Noël, quand notre famille était réunie. Et j'ai ce souvenir de la cuisine hyper chaleureuse où il y a tout le monde, le chocolat qui fond, les mélanges avec la crème de marron, ce côté convivial, fête, Noël, hivernal. Et c'était vraiment incroyable. C'est fou comme nos grands-parents, en fait, quand ils faisaient quelque chose, il y avait un goût particulier, le goût du souvenir, en fait. Ça sent vraiment le crémeux, le beurre, le marron, le chocolat. J'ai hâte de manger. Ouh. Oh. C'est exactement le même. Avec les petites lignes comme ça, il y avait aussi les petites lignes. Ah oui, parce que comme on met un film fraîcheur. Et les petits marrons. Oh là là. Et en plus, on voit que c'était marron frais. Enfin, parce que c'est très important de le faire avec la purée de marron. Oh, ça a l'air bien crémeux. Oh, la crème anglaise. À la coupe, c'est pareil. On sent les petits morceaux de marron. Il n'y en avait pas forcément chez ma grand-mère. Mais le goût, c'est le même. Ça sent vraiment ce goût-là. Le beurre, marron, chocolat. Et c'est pas très sucré. Tu l'as pas très sucré? C'est vrai. Ma grand-mère, elle le sucrait pas non plus. Ah bah j'ai suivi la recette de ta grand-mère. Incroyable. Ça me rappelle Noël. Vivement qu'il neige. Je me régale bien. À bientôt pour une prochaine Madeleine.